Bonjour ou bonsoir à vous tous de la région métropolitaine de Manille, ici aux Philippines, au sud-est de l'Asie. Je vais vous lire dans cette vidéo mon résumé sélectif des titres d'actualité sur la page d'Internet du journal québécois et canadien Le Devoir, au moins partiellement pour ce jour, jeudi le 1er novembre 2020. 18. Comme toujours, je vous déclare que je ne veux violer aucun droit d'auteur avec cette vidéo. Changement climatique. Des juristes québécois veulent poursuivre Ottawa. Les actions en justice à caractère climatique contre des gouvernements se multiplient dans le monde. ADISQ, Mario Pelchard ravive un vieux débat. Le clivage qu'il dénonce est un refrain qui se fait entendre depuis les années 1960. Longueuil se prépare à un déversement d'eau usée dans le fleuve. En 2015, le déversement de Montréal avait eu un impact limité sur la qualité de l'eau. Montréal devrait se doter d'un inspecteur à la diversité. La table sur la diversité, l'inclusion et la lutte contre les discriminations fait part de ces recommandations. L'accident de la fusée Soyouz, maintenant expliqué. La déformation d'un capteur à l'assemblage de la fusée à Baïkonour serait à blâmer. Aide à mourir, les règles fédérales sont contestées. Ottawa porte atteinte à la vie privée, plaide le Collège des médecins. 10 années chaotiques du Bitcoin. Un rôle des crypto-monnaies dans le paysage monétaire est désormais entrevu. Fini le deux poids, deux mesures pour les travailleurs temporaires. Les syndicats accueillent favorablement la modernisation du code du travail. Le conventum de la génération Luc de La Rochelière. Entrevue anniversaire avant le spectacle anniversaire. Yo-Yo Ma se dédouble. Le récital à Montréal sera retransmis en direct sur écran géant. François-Xavier Roth, un chef, un vrai. Le défilé des prétendants pour remplacer Kent Nagano se poursuit à l'OSM. Vieillir en balai pour Evelyn Hart. À 62 ans, l'ex-prima ballerina du Royal Winnipeg Ballet remonte sur scène. Pas de gel des salariés, des salaires des spécialistes. Christian Dubé veut démêler les détails de l'entente avec les médecins spécialistes avant de geler leur rémunération.